Allez, on va fouiller un peu l'endroit. Je pense qu'il y a pas mal de choses à trouver. Il y a un escalier pour monter. Quelqu'un habitait ici. Faut que je remette le courant. Ok, donc il faut sûrement que je monte à l'étage avec le câble. Je vais juste aller voir là-bas. S'il n'y a rien d'autre à trouver, est-ce que j'ai pas été exploré? Une petite carte de collection. Il y a même des gouttes sur la caméra, quoi. Ça montre à quel point c'est réaliste. Ok, alors, ça, je vais récupérer ça. Bon sang. T'as grillé? C'était pas ton truc, l'électricité. Va pas tenir longtemps. On va se dépêcher avant que ça lâche. C'est quoi ça? Nickel. Ok, j'ai récupéré des clés, je pense que ça doit être la porte tout en bas.
t'aurait plu de regarder un film ici. Flippant. J'y crois pas. C'est un petit flashback. Ça commence à donner quelque chose. Oh, je suis nulle. Mais non. Faut juste que la corne se fasse, c'est tout. Ouais. Allez, tu viens? On y est? Ouais. Oh, putain. Allez, j'essaie de deviner. Quoi? Tu veux gâcher la surprise? Je sais pas. Est-ce que c'est un dinosaure? Pas la peine de te fatiguer, je dirais rien. On verra. Est-ce que c'est un éléphant? Ah. Est-ce que c'est un cabriolet? Tu devineras jamais. Est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un paquet de chatons? Une portée, tu veux dire? C'est quoi une portée? Un groupe de chatons. Alors, avance, au lieu de parler. Fais attention. T'inquiète. Hop. C'était totalement gratuit, ça. Mais t'es malade ou quoi? Si seulement tu pouvais voir ta tête. Je pourrais me noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. T'es pas aussi empoté que tu le crois, tu sais. C'est ça, marre-toi, l'ancêtre. Je t'aurai la prochaine fois. C'est par là. Je te déteste. Tu nages de mieux en mieux. N'oublie pas, le but c'est pas de s'agiter dans tous les sens, mais repousser de... l'eau avec le bras entier. Bla bla bla. Je suis content de voir que tu m'écoutes. On voit encore les gouttes tomber du corps, franchement. Ouais. C'est ces petits détails, je pense. Ouais. Qui font que le remaster a tout son sens. On dirait... Ah voilà, tu t'es vengé, impeccable. Alors, ça fait quoi? Ça rafraîchit. Ouais, c'est pas cool de se faire pousser, hein? Eh ben... En fait, il fallait qu'on fasse cette partie du chemin à la nage. Je me suis vengé, t'es super énervé. Ouais, t'as raison, je suis super énervé. Allez, viens. Ah.
On va devoir passer là-dessous. Inspire à fond. Ouais, pas de problème. Est-ce que c'est... mon prof d'histoire de sixième qui s'excuse d'être un gros con? Je te demande pardon. Moi et une copine, ils nous énervaient quand ils traitaient les lucioles de terroristes. On finissait tout le temps en colle. Tu sais, tu devrais arrêter de t'énerver pour un oui ou pour un non. Je supporte pas les cons. Prends sur toi. Il faut encore plonger ici. Où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que t'en as pas assez comme ça? Sûrement pas. Viens là. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est... une énorme collection de BD? Non. Attends. Une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Bon, on y va, petit père? Ouais, faut que je cherche. Ok. Oh, j'y crois wow. Pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure. Tu l'as dit. Joël. Surprise. Je le crois pas. Oh, putain, c'est un dinosaure. Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Muséum d'histoire naturelle du Wyoming. Comment t'as trouvé cet endroit? Maria, c'est elle qui m'en a parlé. Je me suis dit que ça te plairait. T'avais raison. C'est quoi? C'est un livre. Un livre sur les dinosaures. Ok. D'accord. Compsognathus. Drôle de nom pour de ces petits trucs. Putain, ils sont balais, non? On laisse les toilettes. Aucun intérêt. Une petite carte. Le brachiosaure mangeait 300 kilos de plantes par jour.
Ouh, imagine les crottes. 300 kilos. T'allais souvent au musée? Ouais, Sarah était fan. Elle a dû me traîner dans absolument tous les musées du Texas. Tu savais qu'il y avait ça? Ah, ça te plaît pas. On peut partir. T'es bête. Hé, hey Joël, tu connais le nom de toutes les planètes? Mon vieux tonton musicien joue sur un nouveau piano. Tu me fais une attaque ou quoi, là? Mon Mercure, vieux Vénus, tonton Terre. Oh, ok, j'ai compris. C'est bien trouvé. C'est quoi cette voiture? C'est lourd, ça? Trop génial. Il est où, le volant? Les rovers ont pas de volant. Il y a des manettes. Ah. Attends. C'est le vrai rover? Ils ont laissé les vrais sur la Lune, alors je dirais que non. Non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Prends celui-là. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace. Et la crasse. Après toi. Attention à la tête. C'est dingue. Ok. Regarde un peu tous ces boutons. Trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. Ça, c'est trop bien pour l'immersion, on se croirait vraiment dedans. C'est assez fou. Oh
la manette qui vibre et tout. C'est assez incroyable cette scène quand même. Le musée continue par ici. Je suis jamais allé dans ce bâtiment. On y va alors. Et tu peux m'expliquer comment tu comptes y aller, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, viens! Non! Eh, c'est mon anniversaire, je te rappelle. Arrête un peu ces conneries. Vas-y, et je veux que ça éclabousse. On a plein d'autres endroits à explorer. Geronimo! Génial. Hey, fais-moi entrer. Je sais pas. Je t'ouvrirai la porte. On peut pas abandonner maintenant. Allez. Vas-y. Bon, mauvaise nouvelle. Il y a un truc qui bloque la porte. Essaye de nous trouver un autre accès. Je fais le tour du bâtiment. Ok, fais gaffe. Toi, fais gaffe. Il y a des dinosaures dans le coin. En voilà un qui en manque de câlin. Il fait sombre ici. Il n'est pas impossible que je ne sois pas tout seul. Montre-toi, putain. Putain d'animaux intocs.
Oh putain la vache. Il m'a fait peur ce con. C'était quoi ça? Rien, c'était juste un animal. Allez, on se bouge. Je voudrais faire un feu avant qu'il fasse trop sombre. Tu viens? Elle est où? Je vais aller par là-haut, parce que j'ai cru entendre la radio. Tu l'as réparé? Il y avait un faux contact. C'était l'antenne. Ils sont au courant pour l'école. Tant mieux. Ce mec, Owen, il a disparu. Peut-être que Tommy l'a chopé. Possible. Et elle? Rien pour l'instant. Unité Roméo, vous êtes attendu au secteur 2. Je répète, vous êtes attendu au secteur 2. À vous. Alors, les chiffres indiquent des secteurs. La station télé où on était, c'est le secteur 6. On intercepte un max de messages du secteur 2. C'est là que doit être leur base. Tu penses à ce que je pense? C'est Tommy. C'est où le secteur 14? En fait, j'en suis pas tout à fait sûre. Ok, essaie de deviner. Si le 7 se trouve ici, et que là-bas, on a le 12, je dirais que c'est quelque part dans ce coin. Hillcrest. D'accord. Thank you.
Tina. Ouais. Ça va pas fort. Hey. Je vais le retrouver. Toi, tu les gardes sur écoute. Bon, bah, ils sont obligés de se séparer, donc ça va devenir un peu plus complexe. Ok, Hillcrest. C'est le bon endroit? Ouais, c'est le bon endroit. Ça doit être Tommy. Chier. Attends, faut que je regarde s'il n'y a pas de... de piège. Comment pour monter ? Ces connards sont trop nombreux. Tiens bon, Tommy. Thank you.
J'avais pas vu la petite échelle là. Mais non, ils ont des chiens carrément. Tu crois que ce type a un lien avec la fille de l'école ? Si c'est pas le cas, c'est une putain de coïncidence. Je déteste ces petits groupes. Avec les grands groupes, on peut se bastonner. Mais là, ils peuvent se cacher n'importe où. C'est clair. On le trouve. Et après, on rentre. Ah putain! Putain, non! Mais non, culé! Putain, j'ai fait un max de bruit là! Qu'est-ce que tu dis de ça là? Elle a filé dans ce bâtiment! Je l'ai trouvé! Je crois qu'il y en a un là-bas, mais je suis pas sûr. Oui, il y en a bien un là-bas. Ok. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal d'ennemis par ici.
Ok, donc il va falloir que je mette la poubelle. Pas là, parce que forcément avec la pente, elle retomberait. Mais sur le côté. Quoi ce truc? Une sorte de bombe? Piège explosif. Se déclenche au passage d'un ennemi. Ça peut être intéressant ça. Je vais améliorer celui-là. Par contre, 70 coûte cher. Ah ouais, ça agrandit la longe de l'arme. Oh non. Putain, l'enfoiré, il est où? Non, non, fais pas ça, éteins la lumière là. C'est bon. Oh, qu'est-ce que ça pue. Ah, il y en avait deux carrément. Putain.
chambre d'enfant, ça, non? Ou une garderie, peut-être? Attends, parce que du coup je suis ressorti par là. Je pense qu'il faut que je passe sûrement par là pour monter vers les escaliers. Forcément. Le code du coffre, mais accompagne-le plutôt au garage et offre-le toi-même, sinon il va t'en poser le code. C'est 30 82 65. 30 82 65. Mmh, mmh, mmh. 30 82 65, ok. Et il est où le garage du coup? Peut-être que je fasse le tour. Il n'y a pas de garage. Je vais essayer de voir, faire le tour peut-être. Comment je fais pour atteindre l'escalier? Oui, non, mais ça je sais. C'est juste que je voulais voir s'il y avait un garage. Bah non. Non, 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 il n'y a pas de garage là. Bon, tant pis, ou alors il est peut-être plus haut, je sais pas. Thank you.
Alors là, il y a un garage. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Visiblement, oui. Bon, ok. Me disais que j'étais pas seul, je sais pas, je le sentais. Tiens, un arc, ça peut être bien utile. Des flèches également. C'est con comme façon d'utiliser les mannequins. J'assure toujours. Ok, j'ai beaucoup de stimulants, donc je vais voir ce que je peux améliorer. Donc déjà, je peux augmenter la santé, ça peut être pas mal. Ouais, allez, pourquoi pas. Plus 100% la vitesse de confection, ça peut être intéressant en cas d'urgence. Je vais améliorer la stabilité de l'arc. Ok, c'est parti. Hé, on a un autre intrus. C'est une fille. Est-ce que tu l'as vue? Je sais pas, mais l'autre est pas loin. Ah, merde! On cherche deux intrus! C'est quoi toute cette fumée? Il a fait sauter un de nos camions. Mais comment c'est possible? Contente-toi de les retrouver. Trouvez-moi ces putains d'intrus, ok? Ça va être compliqué, il va falloir que j'élimine le garde avec son chien rapidement, je pense.
Tu sens quelque chose? Merde. C'est moi qui voulais être discret, hein. Merde. Ça doit faire mal, mon gaillard.
Je m'en suis pas rendu compte, mais je suis revenu au début de la traque. Ok, donc visiblement il y en a deux dans la maison également. Non, derrière plutôt. Il m'a fait du mal, le chien. Tu feras mieux de courir. Jamais m'en débarrasser de ces ordures. À cause de ce qui s'est passé à l'école et à la station télé. Tu croyais que c'était les Scars, ça? Ouais, mais on pense que ces intrus sont de mèche avec eux. Restons sur nos gardes. Evie?
c'est quoi tout ce bordel avec ces intrus? On a qu'à en choper un vivant pour l'interroger. Pas question. Faut pas prendre l'arme. Viens. J'avais pas trop le choix. Et voilà, j'ai plus de balles. Comme ça, c'est réglé. Abuser tous les ennemis qu'il y a dans cette zone, franchement. Faut le trouver, donc ça veut dire que Tommy doit être juste à proximité. J'ai vraiment plus aucune mune, quoi. C'est abusé. Ah bah voilà, je l'ai retrouvé le frérot. Ça a été compliqué, hein. Putain, ce que j'ai dû faire pour le retrouver, c'est abusé. Qu'est-ce que tu fous là? Comme si j'allais vous laisser partir seul. Ah non, c'est même pas Tommy qui est... Oui, Dina.
elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Elle va bien. Déployez-vous! Elle est partie par là! Oh putain, ils sont nombreux. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va aller. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. Hé, hey, pas de conneries, hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une intrusion. Je prends celui de putain encore. Il nous faut plus de sentinelles, bordel. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. On peut aller voir cette maison? Ouais. Le problème, que quand la bagnole démarre pas, et que si ça fait trop de bruit, bah t'es repéré rapidement. Putain, mais c'est vraiment des ordures, hein, sérieux. Ça, ça doit faire mal, mon gars. Putain, c'est la folie. C'est pas évident, ça bouge de trop. Tiens. Oh là 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 là, mais quel carnage, j'ai abusé. Allez, recule! Ça, c'est pas possible. Bah oui, je m'en doutais. Oh la vache! Wouah, c'est n'importe quoi. Ah!
chute. Ok. Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Merci. Par là. Ok. Dina! Salut. Oh, c'est pas vrai. Jessie. Salut, Dina. Oh. Hey. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais. Allez, viens. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligée de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es parti quand de Jackson? Un jour après vous, mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Elle a fait semblant de dormir. Moi, pas simplement lui faire un cadeau. Ah, c'est des autres plus, celle-ci. Non. Hein? Tout va bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Franchement, boudé pour si peu. C'est vrai, quoi, j'oublierais mon propre anniversaire si elle n'était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Je réfléchis juste à des trucs. Hésite pas si jamais tu veux en parler. Ok. Il en reste là-bas. Combien? Pas beaucoup. Tu veux tenter ta chance? T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. Jamais été trop doux au snipe, mais... Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire... Vise plus haut. La balle a le temps de redescendre. Je vois. Et voilà! Le bruit les attire. Patrouille? Oui ou non? On va... Merde. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. Du bon boulot. Prends ton temps. Non, il n'y en a plus. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans? Comme un genre de migration, ouais. Comment ça? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, non, en fait, j'en sais foutre rien. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi? Ah, un animal mort. Regarde. Ils sont en train de bouffer le cerf. Ils doivent avoir faim. Mange ça. Il me plaît bien. Tu m'impressionnes.
Ça m'a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Pas mal, pas mal. Je commence à comprendre le truc. Et là, près du téléphérique, regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois ? Ouais, beaucoup trop loin, là. Il me plaît bien, ce fusil. Il en reste quelques-uns. Te précipite pas. Trouve ton rythme. Allez. Merde. Ils sont trop loin, donc ça c'est un peu l'automne. Plus compliqué. J'aime ça. Cette odeur de feuilles. J'ai mis du temps à prendre le coup de main. Ouais, c'est les lois de la physique. T'as ça dans le sang. Il y en a d'autres. Pas loin celui-là. Oh, joli. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Nickel. Ah, j'en vois pas d'autres. Ouais, moi non plus. Allez, on s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça marche. Donne-moi ça. Eh, hey, Tommy. Merci pour la balade. De rien. Honneur aux dames. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais Joël s'inquiète pour toi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon, si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer. Ouais. C'est vous qui avez fait tout ce raffut ? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu ? Ouais, c'était bien. Je vois que tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi ? Il faut les changer ? Ouais. On t'en trouvera d'autres. Ouais. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. T'es sûr que tu veux pas venir ? Allez, vas-y. Il t'attend. Ok, on y va. Allez. Suis-moi, Ellie. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Ok. Merci. Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les comics Savage Starlight, que t'aimes bien ? Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros, quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu ? Tu sais, en fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, elle est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment il fait.
C'est trop marrant. Le magasin de musique est par là. On va devoir laisser les chevaux ici. Ouais, ça me va. Voilà le magasin de musique. Ouais, je le vois. Tu veux que je t'aide ? Ça va aller. À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi ? Bon sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi alors ? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. J'ai peut-être quelque chose. Tu crois que tu peux passer ? On peut essayer. Fais attention. D'accord. J'y suis ! Attends 2 secondes ! D'accord. Salut. Salut. Impressionné ? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Mets ton masque. Oh, je suis obligée. Il y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre ? Bon, d'accord. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque... Tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Ça, c'est pas faux ce qu'il dit. Tu l'as dit à personne d'autre. Faut toujours se méfier. Pas à Jesse ou Dina. Bien sûr que non. Ok, tant mieux. T'étais déjà venu ici ? Non. On a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Peut-être. La dernière patrouille est passée il y a combien de temps ? Je sais pas trop. Ils venaient de chez nous ? Non. Il nous manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Ellie, viens. On est en patrouille, non ? Ok. On s'en occupe. Ah!
J'en ai eu un. Aïe, c'est pas prévu ça. Vache. Joël, je crois que c'est fini. Il y avait un paquet, hein. On dirait bien. T'as assuré, Ali. Bon, et si on mettait cette histoire de corde un autre jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Par contre, pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ça se présente pas mal par ici. Je te suis. Oh, mais non. Ah merde. Je voulais créer un cocktail Molotov, mais comme l'autre il m'a fait chier. Putain, c'est pas possible, merde. Puis crève pas ce bâtard, hein.
Oh, mais c'est pas possible. Non! Mais non! Oh putain! Oh putain! J'ai cru que j'allais encore crever. Ça, c'est un truc de ouf! Je lui ai mis au moins une quinzaine de balles, plus un cocktail Molotov. On a failli y rester. Putain, l'ordure. Hein. C'est vrai. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ouais, on l'a eu. Putain la vache. À part la vieillesse, tu veux dire? Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement qu'on se tire d'ici. Tu fais. Et si jamais il y a deux colosses derrière? Ça va aller. Ça va aller, mais moi j'ai plus de balles. Hein. J'ai plus rien du tout. Walou. Il n'y a pas de sport. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là? Ils sont ensemble, non? Plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Oh, allez, je suis plutôt doué pour une autre sorte de choses. Peut-être, mais là, tu te trompes. Ouais, on verra bien. Ouais, ben, n'espère pas trop. Tu pourrais te glisser là-dedans. On va essayer. Tu vois ce qui bloque? Ouais. C'est bon. S'est enfui l'année dernière. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés, eux. Ouais, il faut...
Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Peut-être qu'il le cache. Comme toi. T'y crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé. À travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leurs tests. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il lui a pas encore dit pour l'instant qu'il les avait tous tués pour lui sauver la vie. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Mais c'était un choix difficile. Soit la sauver elle, ou soit peut-être sauver l'humanité. Non. C'est vrai que dit comme ça, ça pourrait être le choix pourrait être simple, mais bon, on n'était pas vraiment à sa place non plus, donc. On y va. Il est dans les vapes. Hey, je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit? C'était pas le moment. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Cet hôpital? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Non, rien. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Bon, en suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital.